bienvenue dans notre rendez-vous de la nuit pour ces deux heures de direct au 39-21. Dans cette émission, on parle de vous, avec vous, de vos vies, de ce qui vous la rend parfois douloureuse ou triste. Vous êtes nombreux dans cette émission à parler de vos difficultés relationnelles les uns avec les autres. Et nous savons bien, en effet, avec les êtres pourtant les plus proches en principe, ce qui peut nous empêcher de nous parler, de se parler véritablement et ainsi contredire la véritable proximité. Nous ne nous parlons pas, nous nous côtoyons en silence ou dans le bruit et tout à coup, lorsque l'on n'a plus le choix, lorsqu'on décide que l'on doit se parler avec le sens solennel et presque théâtral que prend alors cette expression, nous sommes surpris, sidérés, choqués que rien ne vienne, que rien ne sorte, sinon peut-être les malentendus, la rancœur, la violence qui font partie aussi des relations humaines. Ce qu'il faut pour se parler, c'est donc d'abord la parole régulière, familière, entretenue pour elle-même, librement et délibérément, mais sans aucune visée arbitraire ou autoritaire d'en faire sortir de force la vérité. Cette fameuse vérité qui apparaîtra alors comme une sorte de hasard qui n'aura cependant rien à miracle, puisque finalement toutes les paroles échangées auparavant et qui auront paru anodines l'auront en réalité rendu possible. Se parler, voilà ce qui est important et dont il ne faut pas avoir peur. Allez, on se parle dans cette émission, on fait même que cela, on s'écoute et on s'entend aussi au cœur de la nuit. Un seul numéro pour nous joindre, le 39-21. Geoffrey et Paul sont là au standard pour recevoir vos appels et c'est Philippe Chartier, notre fidèle Fifi, qui réalise cette émission. Et puis pour faire écho à la parole des auditeurs qui témoignent, vous savez que vous pouvez envoyer un SMS au 739-21 en commençant par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39-21, j'attends vos appels. La libre antenne d'Europe 1, c'est 6 jours sur 7, du dimanche au vendredi, de 23h à 1h. Et puis, merci aux fidèles d'Europe 1. Je vois que vous êtes très à l'écoute de l'antenne pendant cet été, puisque voilà, il y en a plein qui m'envoient des messages, et comme Sergio qui met Sophie l'après-midi, Sophie le soir, c'est pour quand la matinale? Merci Sergio, c'est pas pour demain la matinale, mais oui, ça vous a pas échappé que j'avais été invitée dans Les Experts avec Roland Pérez, et merci pour vos très très gentils messages. Message. Vous êtes là, Marie-Laure? Oui, je suis là. Sophie. Oui, bonsoir Marie-Laure. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci, c'est la toute première fois. Oui, j'adore quand on me dit c'est la première fois, ça a un côté absolument charmant et délicieux. Ah mais c'est vraiment délicieux de vous entendre, j'ai découvert comme ça l'émission. Oui. Et en fait, j'ai envie un peu de parler de moi. Vous êtes là pour ça. Ben ça tombe bien. Plutôt. Donc je vis seule. Je suis qu'une femme assez indépendante et en fait je n'arrive pas à trouver quelqu'un pour partager ma vie en fait. Mais est-ce que vous en avez réellement envie? Parce que vous commencez en me disant, je vis seule, je suis assez indépendante, mais j'arrive pas à trouver quelqu'un. Alors, quand alors, j'ai réellement envie, un désir profond, c'est et pas juste une idée. Est-ce profond, je sais pas, puisque les situations de vie ont fait que je me suis toujours trouvée toute seule. Oui. Donc, j'ai très peu de contact en vrai avec les gens. Je passe pas en général plus de 20 minutes avec les gens en vrai. Et puis, ça a forgé comme ça mon caractère. Et puis, je fais des rencontres et puis voilà. Je Excusez-moi, suis Marie-Laure. Marie-Laure, est-ce que par hasard vous avez un haut-parleur? On vous entend pas bien. Oui. Ah, du coup, je l'ai enlevé. Ah, super. Gênant, ouais. Oui, voilà, voilà, extra. Merci beaucoup, Marie-Laure. Oui. Voilà. Donc voilà, je disais que je suis la femme d'un instant et que ça commence à être un petit peu embêtant. Oui, douloureux, vous diriez même. Oui. Douloureux non, puisque j'ai pas de rancœur. Hein. Je me dis souvent, ce sont des hommes qui sont mariés
voilà, ce qui sont pas totalement libres, donc j'ai oui, pas grand cœur. Oui, donc il y a quelque chose, c'est vous à la fois qui est d'accord avec ça et pas d'accord, hein. Donc il faudrait savoir qu'est-ce qui est, est-ce que vous êtes d'accord sur le fond ou sur la forme, enfin ou inversement, c'est-à-dire que votre histoire en fait, parce que vous avez une fille, c'est ça? Oui, oui. Et donc vous avez vécu combien de temps avec le papa de votre fille? Ben jamais. Ah, jamais. Jamais, puisque on a eu quelques relations et puis je suis tombée enceinte alors que je l'avais quittée, oui. Ah, d'accord. Voilà. Et quelle image vous avez depuis toutes ces années du couple, de l'amour? Quelles sont voilà vos représentations autour de ça? Je trouve que c'est formidable d'être en couple. Ça donne un sentiment, c'est l'affection, c'est l'amour et c'est ce qui, au fil du temps, j'ai besoin de partager en fait. Oui. Et quoi dire d'autre? Est-ce que, parce que vous voyez, il y a une ambiguïté dans votre propos, entre à la fois l'image, c'est pour ça que je vous questionnais dessus, belle et attirante, peut-être même idéalisée hein, du couple, et quelque chose qui dit dans votre vie que c'est pas pour vous. Et oui, voilà. Et je cherche à savoir qu'est-ce qui fait que c'est pas pour vous. Et oui, c'est la vraie question que moi-même je me pose. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai peur du bonheur? Est-ce que c'est... Est-ce que l'histoire, par exemple, avec le papa de votre fille, je ne sais pas si vous étiez très jeune, a été un événement important pour vous qui vous a fait un peu décider inconsciemment que dorénavant on ne pouvait pas faire confiance, que vous voyez, qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là ou qu'est-ce qui s'est joué dans le couple de vos parents peut-être aussi? Ah ben peut-être déjà à mon niveau, je peux dire que les hommes en particulier, j'étais plutôt insensible et lui il m'a rendu sensible à cette à la relation entre homme et femme. Oui, vous avez veillé. Avec une femme, ça n'a jamais été le cas non plus, mais oui. Je veux dire, je ne m'intéressais pas du tout. Je me suffisais en vrai à moi-même. Oui. Et en fait, j'ai découvert un petit peu comme ça la relation sexuelle, le fait d'être bien avec un homme, et puis ça a vite perdu son charme, en fait. Ah, ça a vite perdu son charme, ça a vite perdu de l'intérêt pour vous. De l'intérêt, puisque oui, en fait, c'est quelqu'un justement qui avait un jeune bébé, enfin un enfant de 6 mois, donc qui était séparé, donc je pouvais pas vivre correctement cette histoire avec, en fait. Ouais. Donc je suis partie. Oui. Mais enceinte. Et donc, c'est vrai que vis-à-vis, par exemple, de mes parents, ma mère, c'était le portrait fort du couple, en fait. Et donc, mon père, il était plutôt... Effacé. Oui, oui. Donc, c'est vrai que l'homme, pour moi, n'a pas une vraie... N'a pas un gros intérêt, enfin. Un gros intérêt, mais quand même, je trouve que c'est quelque chose de bien, de beau, d'avoir quelqu'un avec soi, à ses côtés. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous concevez une vie de femme sans homme, comme vous l'avez toujours conçue, à l'image de votre mère. Et puis, en même temps, avec le temps, et puis avec peut-être des scénarios qui se répètent, d'histoires qui ne durent pas, vous commencez à vous dire, mais la relation, en fait, vous êtes en train de vous interroger plus sur la relation que sur l'homme, d'ailleurs. Hein, c'est comme si ça avait bougé. Oui, parce qu'en fait, je peux avoir un début de relation, quelqu'un qui veut bien m'accompagner, si je peux dire comme ça, et puis tout d'un coup, j'ai plus de nouvelles, rien ne se passe. Mais vous disiez que c'est souvent des hommes qui ne sont pas disponibles, comme par hasard. Oui. C'est vrai. Oui. Comme par hasard. Oui, il n'y a pas de hasard, vous savez bien. Ah oui? Non, il n'y a pas de hasard. C'est que, sans doute, il y a quelque chose qui vous convient, hein, mais inconsciemment, dans ces situations qui sont impossibles à tisser sur le long terme. Donc, il y a soit une peur, effectivement, de quelque chose qui vous fait très envie. Souvent, c'est plus on a un enjeu fort, plus on a un désir fort, et plus on a peur. Ah. Hein.
Donc plus vous avez envie d'être en couple et plus vous avez peur d'être en couple. Vous voyez, donc c'est et ça recule d'autant puisqu'il y a plein de petites frayeurs qui s'attachent à ça et on s'arrange pour pas se confronter à notre désir, à votre vrai désir profond qui est peut-être celui-là. Mais être dans ce désir-là, ce serait quoi? Ce serait être déloyal à maman, donner tort à maman, réhabiliter papa peut-être, enfin. Oh non, parce qu'il s'y convenait bien, hein, il s'est déjà marié, le couple fonctionnait comme ça, et puis voilà, mais pour revenir à moi, en fait, là récemment, j'ai rencontré quelqu'un, et puis voilà, il m'a dit, bon, on se reverra milieu d'été, et puis j'ai plus de nouvelles tout d'un coup, 15 jours avant, à chaque fois, 15 jours avant. 15 jours avant la date... j'ai plus de nouvelles, on me répond plus, et puis voilà, c'est comme ça. Et là, c'est quelqu'un de libre. Hein. Oui, que vous aviez rencontré... Que j'ai rencontré comme ça. Comme ça, d'accord. Oui, en discothèque. Ouais, d'accord, oui. Et non, vous deviez vous revoir et il n'a plus donné suite. Le rendez-vous était fixé, il l'a annulé? Comment ça s'est passé? Il m'a dit qu'il me contacterait. Moi, j'ai rien demandé. Il m'a dit, je te contacterai, on se verra. Et en fait, il vous a jamais contacté? Il m'a contacté, mais la date très prochaine, j'ai plus de nouvelles. J'ai plus de nouvelles. Mais il y avait un rendez-vous de fixé? Non, parce que c'est quelqu'un qui habite la province. Moi, je suis en région parisienne. Et, puis et vous n'avez pas osé relancer Marie-Laure? J'ai juste demandé. Oui, juste, oui. Mais par rien. Oui, alors ça dit pas effectivement. Vous voyez, ça vient pas toujours de soi. Ça peut venir aussi de l'autre. En l'occurrence, dans ce que vous racontez. Alors après, il y a effectivement quelles sont vos antennes au moment de la rencontre. Qu'est-ce que vous ressentez de la personne? Vers quel profil vous vous tournez? Vous voyez, il y a tous ces éléments-là. Je ne sais pas si là vous pouvez faire des liens, parce que tout ne dépend pas toujours de nous. Donc là, vous voyez. Oui, c'est vrai que tout ne dépend pas de moi. C'est vrai que pour le coup, là, c'est ce qu'on comprend. Voilà, c'est quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi. Il m'a dit mon âge ne gêne pas. Oui. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Il a peut-être, j'allais dire tout simplement, peut-être croisé la route de quelqu'un d'autre, peut-être même de son âge. Là après, c'est difficile de savoir. C'était c'était une soirée, c'était une rencontre. Donc on peut pas bâtir, parce qu'en fait c'est un peu comme si vous faisiez un lien un peu rapide entre une rencontre, voire deux de suite, enfin avec une même personne, et puis une relation durable ou une vie en couple. Il y a tout un chemin, il y a tout un processus. Oui, alors peut-être que le processus, moi je brûle peut-être les étapes oui, en fait. Oui, c'est ce que je comprends en vous écoutant. Voilà, je brûle peut-être les étapes puisque je m'affirme en tant que personne indépendante, donc je sais exactement ce que je veux peut-être de quelqu'un, je sais pas. Donc j'arrive peut-être pas à faire tout un cheminement avec. Oui, à lui laisser un peu de place, vous voyez. Peut-être. On a toujours les défauts de nos qualités. C'est-à-dire, vous avez la qualité. Ah, bah oui, mais vous avez la qualité d'être indépendante et de savoir ce que vous voulez, comme vous le dites. Et en même temps, on peut dire que le défaut parallèle, mais tout ça, ce sont des ajustages, ça se travaille. C'est qu'en fait, vous savez tellement bien que l'autre ne se sent pas pouvoir vous apporter quelque chose ou a une place. Donc, il faut un peu d'espace. Dans une relation, il faut un peu d'espace de part et d'autre, pour que la relation se tisse. Et puis, si dès la première ou deuxième rencontre, vous projetez déjà sur une relation longue, une vie de couple éventuelle avec cette personne, ça va trop vite. Parce que vous êtes déjà, imaginez que on prenne l'alphabet, vous êtes déjà à la lettre W, voire Z, quand lui, il est qu'au B. Ou au C. Oui, c'est sûr, mais pour le coup, j'envisage jamais de vivre avec quelqu'un. D'accord. Je me dis juste... Je prendrai ce qu'il y a à prendre sur le moment, mais ce qu'il y a, c'est que ça ne se concrétise pas. Il y a un vide tout d'un coup. Oui, alors... Et oui. C'est là où j'ai une grosse interrogation. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne parle pas suffisamment avec l'autre? Est-ce que j'ai pas les bons mots? Est-ce que je...
Voilà, c'est... Vous êtes très indépendante et comme toute femme très indépendante, un homme a besoin de sentir qu'il est utile, enfin qu'il sert à quelque chose, à vous protéger, à vous rendre heureuse, à vous rendre belle, à plein de sortes de choses merveilleuses d'ailleurs. Mais il y a besoin d'un retour. Si, comme vous le disiez tout à l'heure, ben moi je me suis un peu toujours suffi à moi-même, ben il va avoir du mal à trouver sa place à vos côtés. Donc peut-être faut faire une petite place, pas que dans le lit, vous voyez, une petite place dans la vie, une petite place dans sa personnalité, dans l'intérêt que vous portez à l'autre et puis dans l'intérêt qu'il peut vous porter. C'est toutes ces petites subtilités du dialogue, de l'échange, oui, de la parole. Oui, mais qu'on ne me laisse pas, malheureusement Sophie, qu'on ne me laisse pas... qu'on ne me donne pas l'occasion de laisser, justement, de lui laisser, justement. À chaque fois, c'est une fois à chaque fois. Voilà, c'est ça, je vous dis, je suis la femme d'un moment. Ouais. Et d'un instant, jamais, même avec le père de ma fille, on n'a jamais pu passer une nuit entière ensemble. Ah oui. Voilà, c'est ce que je vous dis, c'est toujours la femme d'un moment. Et comment, enfin, quelle explication vous vous êtes donnée jusqu'à présent de ce moment? Est-ce que justement ça vous allait bien et vous n'avez pas cherché, ou est-ce que c'est lié à une crainte? Comment vous l'analysez-vous, le fait que ce soit qu'un moment à chaque fois? Là, je n'arrive pas à l'analyser, puisque je me dis ça semble bien parti. Concrètement, qu'est-ce qui se passe juste après le moment, dans la relation? Est-ce que vous pourriez me donner un exemple? On se rappelle, voilà. Oui, mais vous dites quoi? Il dit quoi? C'est quoi le scénario qui se joue à chaque fois? Si on essayait de faire comme un scénario de film qui se rejouerait sans cesse, ce serait quoi le scénario? Oh là là. C'est très récemment là, c'est oui, ça va, tu me diras un petit peu comment t'as fait la route, on se rappelle, jamais à la voix, vous voyez, c'est toujours par un texto, donc j'ai pas le temps, un texto, je me dis c'est mieux de vive voix, mais ça se fait pas. Tu me rappelles plus tard et ça se fait pas, donc ça se passe par texto, donc c'est comme si. Est-ce que vous donnez un petit signe, Marie-Laure, du contentement, du bon moment que vous avez passé, du... Ah oui, je l'ai fait. Ah voilà. Ah oui, j'ai dit. Mais c'était la première fois que vous le faisiez. Oui. Oui, voilà. Mais aussi, c'est vrai que c'était quelqu'un de libre aussi. Oui, je comprends, bien sûr. C'est quelqu'un, je sais, qui est libre, qui n'est pas en couple, donc voilà. Et donc, plus jeune, 30 ans, juste 30 ans, donc moi 46, donc... Oui, il a pu se passer autre chose depuis pendant l'été. Mais Marie-Laure, il y a sûrement, vous voyez, essayer, peut-être que ce que vous pourriez faire pour y voir plus clair, là, c'est essayer de retracer ce que je vous disais comme un scénario de film, pour voir ce qui se rejoue. Parce qu'il y a sûrement une petite musique, un petit scénario qui est toujours le même. Malheureusement, on ne peut pas passer trop de temps ensemble pour le défiler. Mais que je vous donne juste des petites clés pour essayer d'avancer, c'est essayer de vous dire, mais qu'est-ce qui... Il y a quelque chose dans votre histoire qui se rejoue indéfiniment, comme une petite musique de fond. Et oui, c'est vraiment ça. Donc maintenant, il faut essayer de voir sur quelle note elle se joue, sur quelle tonalité, qu'est-ce qu'elle raconte, cette musique-là, qu'est-ce qu'elle raconte de vous, qu'est-ce qu'elle raconte. Alors ça, vous pouvez l'écrire en plusieurs parties. Il y a vous, il y a vos croyances sur la vie, sur le monde, sur les hommes, il y a vos peurs, il y a votre bénéfice aussi à ne pas changer de vie, donc toujours la crainte d'en changer. La crainte, oui. Donc essayez d'avancer comme ça, en essayant de poser un petit peu ce scénario, puis de voir, mais assez concrètement sur chaque histoire, quels sont ce qui s'est rejoué, recoupé. Là, vous allez commencer à trouver des clés et peut-être avoir quelques séances. Je ne sais pas si vous l'avez travaillé en thérapie, mais voyez, vous faire aider quelques mois en ayant fait ce travail, vous, de votre côté, parce que c'est souvent un travail à deux, et puis vous permettre comme ça de prendre la mesure de qu'est-ce qui se joue chez vous pour dénouer les petits fils là qui sont coincés. Il y a un petit nœud, c'est coincé. Ah, il y a un nœud, ça c'est certain. C'est coincé.
C'est certain. Donc du coup, je verrai s'il y a... Il faut prendre un peu de temps. Et des auditrices qui ont vécu peut-être la même chose et qui ont peut-être aussi... quelque chose à me dire, je verrai. Oui, bien sûr. Il y a Marie là qui réagit, qui dit ce qui permet d'oublier aussi cette solitude, c'est de s'intéresser aux problèmes des autres. J'ai le sentiment, Marie-Laure, vous êtes assez ouverte sur les autres. Ah oui, mais ça vous intéresse la vie. Ne me pèse pas, par oui, contre. Hein. Oui. Et la vie des autres. Je n'ai pas ce problème de solitude parce que j'ai le contact facile. On peut facilement, c'est pas un souci, mais c'est l'étape après. Et la vie des autres vous intéresse, Marie-Laure? Vous posez des questions, vous vous intéressez? Ou pas trop? Pas trop, puisque si vous voulez, j'ai peur un peu d'entrer trop. Alors vous voyez, il y a une petite clé là peut-être aussi, Marie-Laure. Oui, parce que pour entrer en relation, et en l'occurrence dans une relation un peu sentimentale, sans être indiscrète, mais vous voyez, s'intéresser à l'autre, c'est poser des questions sur qu'est-ce qu'il aime faire, sa vie, éventuellement son travail, sans être inquisitrice, mais c'est une preuve d'intérêt. On a besoin de sentir qu'on intéresse l'autre, qu'on a de la valeur. Donc peut-être que là, il y a un petit travail à faire chez vous de quelle valeur je donne à l'autre, quelle place je lui donne. Comme vous êtes habitué à vivre en comme un groupe électrogène, toute seule, en autonomie totale. Ah oui, c'est total, vraiment. Oui, mais il y a tout un apprentissage maintenant de la relation à l'autre, de qu'est-ce qui peut vous apporter, de l'intérêt. Comme vous n'êtes pas en demande, c'est compliqué. Oui, vous êtes en demande très profondément dans un idéal de vie sentimentale, mais de fait, vraiment concrètement, en tant que personne, vous n'êtes pas en demande. Vous savez faire. Donc c'est compliqué pour vous, là. Il y a vraiment une ambiguïté à résoudre, là. C'est compliqué pour moi, c'est vrai. Oui. Mais quel homme, pourquoi l'homme n'est pas capable aussi, lui, d'arriver à... À quoi? À être comme vous? Mais nous sommes tous des êtres de relation, Marie-Laure. Peut-être vous n'avez pas réalisé, vous commencez à le réaliser, c'est ça votre appel de ce soir. C'est que vous êtes en train de dire, mais j'ai besoin de l'autre dans ma vie. Oui. Parce qu'on en a tous besoin. Oui, c'est vrai. C'est un besoin fondamental, que ce soit bien sûr nos enfants, nos amours, parfois des animaux, mais d'être vivant. Nous sommes des êtres de relation. Donc on en a tellement besoin qu'à un moment donné, on a beau savoir faire toute seule, c'est quand même pas rigolo. C'est tellement plus sympa à deux, à plusieurs, entre amis. Du coup, je pars plus en vacances, puisque je me dis, j'aimerais partager ça maintenant que ma fille, elle est grande. Bien sûr. Elle est majeure, j'ai envie de partager avec quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est là où votre besoin commence à renaître. C'est peut-être pour ça que j'ai pu poser quelques questions à la dernière personne que j'ai rencontrée. Mais voilà, il y a un blocage qui ne me répond plus. Oui, mais là, ne vous bloquez pas. C'est pas parce que... Alors, vous voyez, ça, c'est terrible dans les phénomènes humains. C'est que vous avez bougé, vous avez mis de l'effort, tout d'un coup, ça marchait. Comme ça ne marche pas comme vous vouliez, vous dites « Ah c'est foutu !» Ah bah non, allez vous continuez. Je ne sais pas pour autant, mais non, c'est vrai. Bon. Non, vous désespérez pas. Et puis voilà, vous commencez un peu à vous ouvrir et à prendre conscience de ce besoin que vous avez et de lui laisser un peu de place. En tout cas, je vous souhaite de jolies rencontres, Marie-Laure. Ah, merci. Et merci Sophie. De nous avoir appelés. Merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Merci, au revoir. Merci, au revoir, Sophie. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 3921. 34 centimes la minute. Alors Marie-Laure, votre témoignage a été entendu par Eric le baroudeur qui aimerait vous aider et rentrer en contact avec vous. Donc on vous mettra en contact ensemble hors antenne. Sans doute que votre histoire lui parle. Merci Eric en tout cas. Corinne, vous êtes là ? Oui, bonsoir. Bonsoir Corinne. Voilà, je vous téléphone car j'aurais besoin de vos lumières. Je suis... je suis en pleine crise. J'ai eu un clash tout à l'heure avec mon amoureux, qui est actuellement en vacances à l'étranger. Mmh. Il s'est rapproché de son fils, qui est également en vacances à l'étranger, à proximité de sa future ex-épouse.
Sa future ex-épouse. D'ailleurs, il est en train de se séparer, donc c'est ça ? Voilà, enfin, voilà. Il a entamé la procédure de divorce. D'accord. Et il m'a vraiment sollicité très, très, très longtemps pour que je l'accompagne dans ce voyage. Et j'ai refusé parce que, bon, étant donné qu'il n'est pas divorcé, ce n'était vraiment pas intelligent de s'exposer comme ça. Mmh. Et j'ai très bien fait. Et lorsqu'il est parti, j'ai eu un pressentiment. J'ai entendu dans ma tête un scénario qui, malheureusement, se déploie. C'est-à-dire que j'entendais sa future ex-épouse lui dire « Écoute, voilà, on arrête tout, on reprend tout à zéro, on efface tout. » Et il y a 2 jours, il me téléphone, il me dit « Voilà, comme on s'est promis de tout se dire, voilà, voilà ce qu'elle m'a dit. » Et là, j'ai pâli et j'ai découvert un sentiment que je n'avais jamais ressenti pour un autre homme, c'est une forme de jalousie. Oui. Et à cela s'ajoute son fils, hein, qui a 14 ans, et j'ai une très mauvaise gestion de sa présence, c'est-à-dire que je suis même jalouse de son fils. Quand il est là, parce que ce qui m'a échappé, Corinne, c'est que vous avez déjà commencé à vivre ensemble quand vous dites. Non, pas du tout. Mais sa présence, donc quand il ne vous voit pas pour voir son fils, c'est ça que vous voulez dire ? Là, actuellement, en vacances. D'accord. Vous vous sentez jalouse. Il a constamment son fils avec lui. Oui. Mais son fils a 14 ans, ce n'est pas un bébé. Mmh. Et il m'objecte qu'il ne peut pas me parler comme il veut, parce que, bon, déjà, c'est il profite de son fils. Oui, oui. Mmh. Et il ne peut pas me parler comme il le voudrait, parce que son fils est là. Mmh. Et vous, vous vous sentez délaissée ? Complètement, d'autant plus que cela réveille de très méchants fantômes pour moi, parce que je sors d'une histoire de 17 ans, d'une famille recomposée, où mon ex-mari avait la garde de sa fille. Donc nous formions avec ma fille une famille de 4 personnes. Oui. Et j'ai très mal géré la présence de cet enfant-là. Bon, déjà parce que nos 2 filles ne s'entendaient absolument pas, donc cela rejaillissait sur nous-mêmes. Ouais. Et j'étais jalouse de cet enfant. Mais j'en connais l'origine, hein. Je suis en thérapie, donc cela prend naissance dans ma propre enfance, ouais. Où j'ai eu malheureusement le sentiment d'avoir été délaissée, parce que c'est une réalité, j'avais une sœur qui était très très malade, j'étais l'aînée, ma sœur était donc, elle est née malade toute sa vie durant. Et toute la famille était concentrée sur elle. Voilà, absolument. D'accord. Et moi, je me suis construite de briques et de brocs, c'est-à-dire que je prenais ce qui me semblait bon. Oui. Et voilà, donc je me sens l'intérieur. Oui, pardon. Pardon, très, très instable. Oui, et cette jalousie, du coup, vous parle aussi. Vous savez qu'elle vous parle aussi de votre histoire. Donc ça, c'est déjà, c'est déjà un point important pour vous. Ouais. Oui, mais voilà, le problème est posé, mais avec les séances sur lesquelles j'essaie de comprendre et surtout de me débarrasser de ce poison, je n'y arrive pas. Enfin, voilà. Tant que la blessure n'est pas rouverte, ça va. Peux même aider les autres. Je peux même aider les autres à gérer des situations. Mais moi, c'est horrible. Et là, bing, cela se reproduit. Corinne, vous savez que c'est par la blessure qu'on guérit la blessure. Parce que vous dites tant qu'elle n'est pas ouverte, ça va. Au contraire, là, vous avez l'occasion qu'elle se rouvre. Et c'est une occasion rêvée, si j'ose dire, pour explorer. Tout ce qui est raccroché. Mais je ne suis pas. Mes propos sont durs, Sophie. Je reconnais. Oui. J'ai des propos très durs. Vous voulez dire envers lui, envers qui ou envers vous, quand vous dites vos propos sont durs? Envers l'enfant. C'est pire. J'ai honte, mais c'est envers l'enfant. Mais quand vous vous adressez à lui en parlant de son enfant? Non, parce qu'il ne me connaît pas. D'accord. C'est lorsque je parle à mon amoureux. Je lui dis, attends, tu as une mauvaise gestion, tu peux très bien m'appeler, je ne vais pas passer après lui. Et quand je m'entends prononcer. Et au moment où vous le prononcez, il n'y a pas une petite voix qui vous dit en vous, c'est pas la bonne histoire, je me trompe d'histoire, oui. Non, pas du tout, au contraire, je me dis, Corinne, tes fantômes réapparaissent. Oui, et tu n'es pas guérie.
Mais c'est pas, vous savez, c'est pas Corinne. Guérir voudrait dire qu'on revient à un état antérieur où il se serait jamais rien passé. Non, une blessure, ça nous transforme. On vit avec, mais ça nous rend plus souple aussi. Ça peut nous apprendre beaucoup de choses. Votre blessure ou votre histoire, vous allez en faire quelque chose, et ce quelque chose-là vous est servi un peu sur un plateau. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes dans la tentation ou même où vous prononcez ce genre de paroles et que vous conscientisez que ça n'appartient pas à lui et son fils, mais ça appartient à vous, votre sœur, oui, et votre histoire, oui, c'est l'occasion justement de faire la part des choses et de comprendre ce qui se joue chez vous. Donc, au lieu d'essayer de dire aïe aïe aïe, c'est un fantôme, je suis pas guérie, c'est une catastrophe, et de partir en vrille parce que vous vous en voulez, que vous dites je suis épouvantable, je m'en sortirai jamais. Oui, tout à fait, c'est ça. Oui, mais non, servez-vous-en, faites-en quelque chose, ça existe, oui, mais c'est là. Mon amoureux qui n'a pas du tout cette démarche d'ouverture. J'entends bien, mais au moment où ça arrive, au moment où vous allez le dire, vous le sentez. Vous sentez ce propos qui est là, qui demande qu'à être dit. Donc, si vous êtes au contact de ce ressenti et de ce propos qui ne demande qu'à se dire, tout d'un coup, vous lui sautez la gorge au propos. Vous dites non, pas là, pas maintenant, avec mon thérapeute, ailleurs, toute seule en pleurant dans mon lit ce soir. Ben oui, mais malheureusement, je n'ai pas encore cette force et je dis tout parce que d'un côté, ça me fait du bien, mais mon amoureux, lui qui n'a pas du tout cette conscience psychologique et cette connaissance, ça passe très mal. Oui, c'est dommage parce que ça laisse des traces, vous voyez que... Oui, mais j'ai eu quand même, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. D'accord. Je ne vais pas vous raconter, mais c'est une histoire que nous reprenons, nous nous connaissons depuis près de 35 ans. Ah bon. Oui, donc la vie vous connaît bien. La vie nous a séparés, nous nous sommes retrouvés. Voilà, mais il connaît mes blessures parce que voilà, je les lui avais déjà rapportées lorsque nous nous connaissions à l'époque. Et là, j'ai eu la force de lui expliquer, voilà, ce que vous me dites. Je le sais malheureusement. Oui, c'est bien. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu sais, voilà ce qui s'est passé, mais donne-moi confiance, montre-moi que je peux avoir confiance en toi aussi, parce que j'ai besoin d'être rassurée. Oui, voilà, mais c'est une belle demande. C'est une belle demande. Et qu'est-ce qui vous a répondu ? C'est votre besoin. Oui. Oui. Mais maintenant, alors, c'est une preuve de confiance aussi de vous avoir fait part du scénario qu'il vit. Absolument. Vous voyez ? J'espère que, enfin voilà, que vous l'avez pris comme tel. Oui, mais d'accord. Moi, j'ai très très mal réagi quand il m'a dit, quand il m'a rapporté les propos de son ex-épouse en plus, et je lui ai dit, je le sentais. Mais il me dit, mais de toute façon, c'est inenvisageable, c'est toi que j'aime, je ne veux plus du tout retourner avec elle. Et là, tout à l'heure, il m'a appris qu'après une veillée funèbre, son fils a voulu dîner à l'extérieur et sa future ex-femme était présente et il a dîné avec. Alors, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il m'a répondu au téléphone alors qu'il était avec elle et son fils. Mmh. Et moi, je suis partie en live. Ah, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que je lui dis qu'il allait devoir choisir, que ça ne se faisait absolument pas. Parce que ce que je dois préciser, c'est que lui est jaloux de mon passé, des hommes que j'ai connus. Ouais. Et je lui dis, tu sais, pour te rendre compte vraiment du mal que l'on peut ressentir, inverse la situation. Oui, mais, la juge vous arrête un tout petit moment, Corinne, parce que c'est un peu du poison que vous vous envoyez chacun en intraveineuse, hein, l'un ou l'autre. C'est-à-dire, quand je dis du poison, c'est que il vous appartient pas, vous lui appartenez pas. C'est pas ça, une relation de couple et un amour qui se vit au quotidien. Mais justement, j'ai peur de moi, Sophie, parce que jusqu'à présent, je me suis blindée. Oui. Je me suis blindée non. même avec... Alors le blindage, je vous arrête tout de suite, ça marche pas. Lâchez-le, ça saute, c'est la cocotte minute. Vous êtes en train de faire la cocotte minute. Mais non, mais là, je me suis autorisée briser ma carapace. Et je me suis C'est plutôt la cocotte minute qui a sauté. Ouais. Justement, je lui fais confiance, mais j'ai l'impression que lui en abuse, ou même qu'il joue le coq, quoi. Tu vois, voilà, mon ex-épouse veut revenir. Enfin, je sais pas, là je suis un petit peu dans le flou artistique. Oui, moi, là, ce que j'entends, c'est que vous interprétez beaucoup. Parce que vous dites, je lui ai fait confiance, mais il m'a trahi. Comme si vous cherchiez presque des signes de sa trahison. Donc, vous prenez plein de petites choses.
choses. Il vous a rassuré, il vous a dit des choses. Ok, le divorce va bientôt être prononcé. Ils sont tous les deux parents de cet enfant de 14 ans. Ils ont eu une histoire ensemble. Ils passent un dîner ensemble. Il vous prend quand même au téléphone. Vous voyez, c'est que plus vous allez lui laisser un peu d'air, un peu de souffle, plus il va être posé dans sa décision. Si vous lui collez du stress, ça va être compliqué pour lui, là. Mais moi, je serais prête à casser l'histoire tout de suite tellement que j'ai peur. Je sais que c'est une vous avez peur de quoi, Corinne? Entre nous, là, tout de suite, vous avez peur de quoi? De souffrir. Ah, bah alors, ça c'est bien dommage. Parce que, parce qu'on a peur de souffrir, on s'évite de vivre. Écouter, oui. Mais oui. Et je sais que la souffrance fait partie de l'amour. Non, elle fait pas partie de l'amour, elle fait partie de la vie. Oui, de la vie. De la vie, mais quand je dis de la vie, c'est-à-dire que, voilà, c'est un lot de joie et de peine, de chagrin et de grand bonheur. Voilà, c'est le package, quoi. Donc, si on se met dans la vie en se disant, bon, alors, ok, je pars, mais alors, attention, hein, les gars, personne, je veux pas souffrir. C'est pas possible. C'est pas possible, il y a pas d'assurance vie. Mais quand vous n'accumulez que des échecs sentimentaux, comme c'est mon cas... C'est pas vrai, vous avez passé 17 ans, vous dites, avec un homme avec oui, lequel... Oui, mais c'était l'horreur, Sophie, Pendant 17 ans. Il y a eu quelques moments de bonheur, mais je vous assure, j'ai mis beaucoup de temps, c'est grâce à mon thérapeute que j'ai pu prendre cette décision, parce que je la mûrissais depuis de très longues années, mais je n'avais pas le courage. Mais c'était l'horreur. Je reconnais que j'avais certainement ma part de responsabilité, évidemment, mais je m'en suis pris plein la tête. Un homme qui vous dit de toute façon, moi je n'ai aucun tort, la malade c'est toi. Heureusement que j'avais un thérapeute à côté pour me soutenir. Ce qu'il y a, Corinne, moi, j'entends plein de colère dans votre voix. Vous voyez une espèce de tension, là, quelqu'un en colère. Pourquoi pas, hein? C'est pas un problème en soi. C'est juste que dans la colère, il y a une belle énergie, d'ailleurs. Mais cette colère, vous la retournez à la fois contre vous et puis contre ceux que vous aimez. Et voilà, c'est blessant pour vous, c'est blessant pour les autres. Il y a quelque chose à apaiser chez vous, à lâcher, à être tranquille. Alors il y a Pascal Le qui envoie un SMS et qui dit écrivez ce que vous ressentez, toutes vos colères, elles sont aussi de la colère, votre jalousie, tout ce qui vous fait mal dans cette histoire. Voilà, il dit je vous souhaite de rencontrer la bonne personne afin de faire un chemin avec vous. C'est de la colère que l'on ressent chez vous, dit Pascal. Et je partage le point de vue de Pascal. Et en soi, honnêtement, encore une fois, Corinne, ça n'a rien de grave ou c'est pas un souci que vous ressentiez de la colère. C'est faites-en quelque chose. Parce que sinon, elle vous bouffe. Voilà. C'est que vous voyez, toutes les émotions, que ce soit, les émotions négatives, colère, tristesse, peur, si on n'en fait pas quelque chose dans notre vie, elle nous saute à la gorge. Elle nous étouffe. C'est ça que je ne comprends pas. Comment générer quelque travail... chose de positif? De positif, vous voulez dire? Oui. Ouais. Mais c'est tout le travail que de vous faites. De la colère. Oui. Comment transformer cette colère en énergie positive? Oui. Ça, je ne sais pas faire. Oui. Honnêtement, je ne sais pas faire. Ben, soyez amis avec elle. Écoutez-la. Elle a quelque chose à vous dire. Elle vous parle de vous. La traitez pas en ennemi. Vous la traitez en ennemi, vous dites c'est un fantôme, c'est horrible, j'en veux pas. Et du coup, vous êtes tellement colère contre elle qu'elle est beaucoup plus forte que vous. C'est une amie. Elle est en train de vous. Elle vous signale quelque chose qui vous met pas bien. Écoutez-la, c'est un chemin. Elle va vous dire ce qu'elle a à vous dire, mais c'est entre vous et vous. Ça ne regarde pas votre ami, ça ne regarde personne. C'est vous qui pleurez dans votre lit la nuit, c'est vous qui criez, vous avez qu'à taper sur les murs, voilà, vous faites ce que vous voulez, vous écrivez, vous mettez la musique à fond, j'en sais rien. Trouvez ce qui vous va et puis essayez de la lâcher, mais essayez de l'écouter. Voilà. À la limite, vous prenez une feuille blanche, allez, vous commencez à écrire, voilà, qu'est-ce que me dit ma colère? J'ai essayé, mais je suis en colère contre. J'ai tellement peur que j'ai tout détruit. J'ai eu peur de mes écrits. Et là, j'ai envoyé encore un. Enfin, j'ai pas envoyé un mail à Sassin. Non, quand même pas. Mais quand il m'a dit tout à l'heure, non, je peux pas te parler parce que j'ai mon fils. Je lui dis quoi? Tu vas pas me parler parce qu'il est là? Et depuis, j'ai plus de nouvelles. Voilà. Et je sais que j'ai mal écrit. Non, vous êtes dans l'angoisse là. Donc là, de toute façon, ne faites rien ce soir. Hein. Surtout, vous n'agissez pas. Quand vous êtes comme ça, dans l'état où vous êtes ce soir, complètement angoissé, n'agissez pas parce que vous allez mal agir. Donc, j'ai déjà mal agi.
Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, Corinne. Il vous connaît. Voilà. Ne vous roulez pas dans ce que vous avez mal fait et tout. Acceptez. Vous avez tout un travail d'acceptation à faire avec vous-même. Il y a Brigitte qui dit essayez de dédramatiser, sinon votre angoisse va ne faire qu'empirer les choses. Essayez de vous apaiser. Essayez, Corinne, de vous faire du bien à vous, sans compter sur lui et sans compter sur l'histoire. Demain, après-demain, je ne sais pas quel est votre programme, mais voilà, vous retrouvez un temps avec vous, même si c'est pas agréable, même si c'est douloureux, lâchez un peu le portable, lâchez les SMS. D'accord. Pause. Vous voyez le disque là, vous appuyez sur pause. Pause, okay. Et vous écoutez. Un petit peu d'apaisement. Mais bon courage, merci. Corinne, et vous êtes en chemin. Pas de problème. Vous allez y arriver. Il n'y a aucune merci raison. Merci beaucoup. Hein, y a merci beaucoup. Raison. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Corinne. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 3921. 34 centimes la minute. Bonsoir Anne. Bonsoir. Oui, bonsoir Anne. Bonsoir. Je vous remercie oui. Je vous remercie de me prendre à l'antenne. Oui, bienvenue Anne. Merci beaucoup. Voilà, moi, c'est pas terrible. C'est juste que ma vie n'a pas été très 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 drôle. Oui. J'ai eu un tas de... Je veux dire, à 3 ans, maman me disait déjà « Cette petite ne sera jamais heureuse. » Oh là ben, oui. J'ai 66 pas... ans. Oui. Donc, ça fait 63 ans qu'on me dit que je ne serai pas heureuse. Effectivement, je n'ai jamais été heureuse. Et là, maintenant, j'ai mon fils. C'est la raison pour laquelle je vous appelle. C'est mon dernier, celui qui a vécu 25 ans avec moi, pour des raisons, études, argent, vous savez, comme c'est maintenant. C'est plus comme avant, où les enfants partaient plus tôt, et lui, il est là depuis quelques mois. Il a enfin trouvé une compagne. Qui est vraiment super pour lui. Oui. Ils sont très heureux ensemble. Mais vraiment, je le vois, c'est la première fois que je vois mon fils, sauf quand il était petit. Hein. Mais depuis qu'il est ado, pré-adulte, enfin, je sais pas comment on peut dire oui. ça. Oui. C'est la première fois que je le vois aussi heureux épanoui. Avec quelqu'un. Oui. Oui. Et je suis super contente pour lui. Tout ce que je voudrais, c'est que ça dure. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et je vous le dis du fond du cœur, parce que cet enfant, je l'ai eu, j'avais 40 ans. Oui. Et j'avais dit à son père, après 40 ans, il est hors de question que j'ai un enfant. Je veux en avoir un, mais après 40 ans, je n'en aurai plus. Et à 39 ans, il m'a dit excusez-moi l'expression mais c'est comme ça qu'il l'a dit. Il a dit tu n'as qu'à virer ton con de stérilet et on en fait un. Et vous en avez fait un, c'est ça? Ah bah, ouais, tout 3 de jours suite. Après, j'étais chez gynéco. Ouais. Et le premier mois, j'ai eu mes règles et j'en ai pleuré. Et le deuxième, j'étais enceinte, et alors là, c'était le nirvana pour moi. Ah, bah, vous voyez, vous me parlez d'un grand, grand moment de bonheur dans votre vie, donc ça, c'est plutôt positif. Ah, mais je crois que c'est le seul moment où j'ai vraiment été ça, et puis quand je l'ai eu, et qu'on m'a mis à côté de moi sur la civière là pour me ramener à ma chambre et que je sentais ce petit corps que j'avais eu en moi contre moi et qui... Oui, je comprends Anne. Et dites-moi, vous êtes toujours avec le papa de votre fils ou vous êtes toute seule maintenant?
Oh non, on s'est séparés très vite. Très vite, ouais. Et là, en fait, quand vous me parlez de votre fils et donc du bonheur que vous avez de le voir heureux avec cette jeune femme... C'est parce que moi, j'étais pas heureuse. Mais oui, c'est que vous, ça réveille quelque chose, c'est ça que je comprends. C'est parce que quand mon fils avait 2-3 ans et qu'on allait... dans les Landes à la plage on n'habite pas très loin de là et puis surtout on avait des amis qui avaient des appartements là et qui nous les prêtaient et que mon mari me faisait tellement pleurer sur la plage que je m'en allais moi j'étais tout le temps avec mon fils. Oui, donc votre fils a été très important, très proche de vous, il vous a tenu chaud pendant des années. Mais là, vous nous appeliez ce soir, Anne, parce que justement, par rapport à l'histoire de votre fils, hein, je crois qu'il est... Il est au centre de ma vie. Mais il est en train d'en sortir. C'est bien ça le sujet pour vous ce soir. Oui. Mais oui. Mais j'ai l'impression qu'il en est sorti beaucoup plus tôt parce que j'ai eu le temps de réfléchir le temps que qu'on me rappelle. Et c'est vrai quand il avait 2-3 ans, quand son père venait le week-end, quand on était en vacances à la plage, il s'arrangeait toujours pour me faire pleurer et que je sois tellement malheureuse que je les laissais tous les deux. Ouais. Et je m'en allais. Mais en racontant ça, vous êtes en train de dire que finalement, vous étiez déjà prête, c'est ça, à une forme de séparation. C'est ça que vous voulez dire par cette anecdote-là? Je n'ai jamais réfléchi à ça. Mais maintenant que vous le dites, c'est vrai que je me suis dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne serais pas heureuse. Oui, mais alors, vous savez, quand on décide ce genre de choses dans la vie, on en sort rarement. Ça se décide aussi. Donc, si on décide qu'effectivement, si vous avez décidé très tôt et très vite que vous ne serez jamais heureuse, et si vous continuez à le décider, il n'y a aucune raison de l'être. Ah, mais si, là, je suis super contente qu'ils vont bientôt, ils vont sûrement avoir un appartement tous les deux, parce que là, il dort la plupart du temps. Il habite officiellement, il est toujours chez moi. Mais il habite, il dort chez sa compagne, ils s'entendent super bien, ils font un tas de choses ensemble, ils sont vraiment... Alors vous êtes la plus heureuse des mamans puisque votre fils va bien alors. Je dirais pas ça, c'est là que ça coince. Ah, alors qu'est-ce qui coince? Ce qui coince, c'est que c'est très paradoxal. Oui, c'est ce que je crois comprendre. Oui, moi aussi. C'est que je l'ai vu tellement malheureux, mon fils. Je l'ai vu pleurer dans mes bras pour des déceptions sentimentales, mais vraiment graves, qui l'ont mis pratiquement à terre. Je n'en pouvais plus le voir comme ça. Ça me déchirait tout l'intérieur, si vous voulez. Quand vous avez votre fils de plus de 20 ans qui pleure dans vos bras, qui rentre du boulot et... Mais là, vous perdez, vous voyez, dans des anecdotes et des détails, donc on a un peu de mal à vous suivre. Moi, oui, j'ai en tout cas du ça, mal à vous ça, suivre. Ça, donc, si moi j'ai du mal, les auditeurs aussi ont du mal à vous suivre. Non, hein. Souvent, je fais aussi office d'auditeur dans cette émission. J'ai besoin, là, Anne, pour qu'on avance ensemble, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent pour passer dans l'émission. Bien sûr. Qu'on essaye de se recentrer, si on peut vous apporter quelque chose ce soir antenne. Ce que je voulais dire, c'est que je l'ai vu tellement malheureux et que là, il est tellement heureux. Mais c'est moi qui ne suis pas là maintenant. Qui ne suis pas là pour être dans son bonheur, c'est ça que vous voulez dire, pour le partager? Je ne partage pas grand-chose. Je me retrouve toute seule chez moi. Je sais que plus jamais je ne verrai passer pour aller... travailler ou me dire au revoir et puis revenir le soir et je sais que ça c'est pour moi c'est terminé et ça me rend ça vous rend
Tous les matins, quand je me réveille, j'ai comme un poids sur la poitrine. Et je me dis, voilà, ça y est, c'est fini. Oui, mais alors, en même temps, Anne, et c'est là tout le paradoxe, vous voyez, vous racontez toute une vie qui n'a pas été très heureuse, des difficultés, etc. Et puis là, votre fils est heureux, et c'est l'occasion pour vous de prendre ce bonheur tout neuf pour qu'il fasse aussi partie de vous, puisque vous dites que votre fils fait partie de vous. Et au lieu de ça, finalement, vous continuez, de façon infatigable, à remettre la courroie de la tristesse et du malheur. Là, vous avez une occasion de la vie de vous réjouir enfin et de moins penser peut-être à vous, de plus penser à lui, de penser à la vie qu'il va avoir, au fait qu'il va avancer dans la vie et au moins d'essayer d'accrocher ce wagon-là pour pas que le train qui est tout le temps sur la même route là de votre tristesse, de je serai jamais heureuse et tout, parce que c'est comme si vous donniez de l'eau constamment à votre moulin qui raconte la même chose, si vous voulez. Je peux vous dire quelque chose? Ah oui, bien sûr, vous êtes là pour ça. C'est arrivé une ou deux fois que je sois tellement désagréable qu'on a l'impression que après j'ai vraiment eu le sentiment de vouloir me détacher justement de ça pour continuer à être malheureuse. Oui, écoutez, je pense que Anne, vous avez toutes les clés de votre problème. Là, vous voyez, on a du mal à avancer parce que quand on tient comme ça, à la fois toutes les clés du coffre, mais qu'on veut pas l'ouvrir, personne va venir avec. Il y a pas de voleur de coffre-fort pour ce genre de trésor, malheureusement, Anne. Attendez. C'est pas fort voyant non plus. Non, d'accord. Bon, moi, je suis tout à fait rassurée alors. Ça va beaucoup mieux. Non, c'est pas fort voyant. Bon. C'est simplement que j'ai l'impression que j'ai besoin de. Ça dure pas très longtemps, ça dure depuis le mois de mars. Hein. Et peu à peu, j'ai appris à être seule. Enfin, j'ai appris. C'est très dur, finalement, parce que. J'ai été soit accompagnée, soit malheureuse. J'ai jamais eu. Alors là, aujourd'hui, vous voyez, vous êtes donc pas accompagnée et peut-être pas si malheureuse que ça, puisque votre fils est apaisé. Donc, je vous souhaite, Anne, d'essayer de trouver de l'apaisement au travers de l'histoire de votre fils. Et je souhaite longue vie à l'amour de votre fils. Bon courage à vous, Anne. Bonne nuit. Paradis de Palmas. Et puis pour vous, Anne, deux messages de soutien. Un de Valérie qui dit « On a dû vous faire porter la souffrance dans votre enfance et vous avez dû faire cela toute votre vie. Quand on porte la souffrance d'autrui, on n'est jamais reconnu. » Et puis Brigitte qui vous dit « C'est un passage très douloureux pour vous. Si votre fils était au centre de votre vie, cela s'apaisera certainement. Et c'est l'occasion pour vous d'opérer des changements positifs dans votre vie, vous ouvrir dans d'autres directions. » Bon courage. Il est minuit. Vous écoutez Europe 1 et tout de suite le journal vous est présenté par François Geffrier. Bonsoir François. Europe 1, c'est vrai qu'il pleut toujours sur Paris, mais il y a un peu de soleil, de douceur, de chaleur. Allez, on va faire comme si dans ce studio tout bleu d'Europe 1, nous sommes ensemble encore pendant une heure de direct, d'échange, de partage. Car parler de nos soucis permet de nous rendre la vie un peu plus légère et parfois plus ensoleillée. L'antenne est à vous, il vous suffit de composer le 39-21 pour partager avec nous vos préoccupations, des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous, avec les auditeurs par SMS au 7-39-21, commençant par le mot « nuit » ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. La nuit se poursuit avec au standard Paul et Geoffrey et Fifi à la réalisation. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters.
Un petit message pour vous, Anne, qui étiez avec nous juste avant le journal de minuit. Un petit message qui vous dit ne pas vous nourrir par de la tristesse puisque votre fils a rencontré quelqu'un avec qui il est heureux. Votre histoire, mettez à plat votre histoire sur une feuille, toutes vos émotions et vous verrez, vous serez mieux et soyez heureuse pour la suite. Courage à vous. Vous êtes là, Jean-Pierre ? Oui, je oui. suis là. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Pierre. Sophie. Voilà, je voulais réagir par rapport à un appel que vous avez reçu hier d'une dame dont le fils avait une compagne qui était dans un état psychologique assez fragile. Ah oui, avec laquelle elle avait eu une altercation, il s'agissait de Dominique. Ouais, une altercation assez sérieuse. Hein, exactement, puisque donc la jeune fille est repartie au début des vacances et son fils est resté avec elle. Voilà. Et il s'agissait de Dominique. Oui, c'est la Dominique. Voilà. Alors j'espère vraiment pour ce garçon qu'il ait pu terminer ses vacances tranquilles avec sa mère. Bah là il redémarre on va dire hein, depuis ce matin. D'accord. Oui, je voulais donc réagir par rapport à cette situation parce que j'ai vécu la même il y a quelques années la même situation que le fils de cette dame. C'est-à-dire, et ce sont des situations extrêmement compliqué. Oui, racontez-nous, c'est-à-dire quand vous dites la même situation que le fils, c'est-à-dire avec une compagne ou c'était votre enfant ? Oui, c'était mon épouse. Oui. Moi, j'étais marié avec deux enfants. Et mon épouse a sombré dans l'alcoolisme et dans la folie. Oui. Et j'ai passé des années absolument horribles. C'est l'enfer. Moi, je ne souhaiterais pas la même chose à mon pire ennemi. Ce sont des situations auxquelles on n'est pas préparé. Oui, mais oui, bien sûr. Et comment réagir face à ce genre de situation ? Et à la détresse, finalement, de quelqu'un qui se détruit, sous vos yeux. Oui, absolument. Ouais. Quelqu'un qui se détruit, mais quelqu'un qui détruit son entourage également. Quand on est marié et qu'on a des enfants, c'est encore beaucoup plus compliqué à vivre. D'ailleurs, ça s'est terminé par un divorce. Ça pouvait pas se terminer autrement, puisque mon épouse a effectué un séjour de 9 mois dans un hôpital psychiatrique. Oui. Donc, elle était vraiment profondément atteinte. Mm-hmm. Et elle n'est pas restée dans ce centre psychiatrique puisqu'elle en a été carrément virée par l'équipe médicale. Oui. On n'est pas viré d'un centre. Oui, enfin. Mais si, parce que elle avait déclenché des bagarres avec d'autres patients. Elle avait introduit de l'alcool également dans cet hôpital. Et elle a été placée dans un foyer pour personnes en difficulté. Oui. Et je l'ai vu du jour où elle est rentrée dans cet hôpital. Elle y est rentrée fin octobre 2001. Mmh. Et elle en est ressortie malgré elle en juillet 2002. Je l'ai vu dépérir, hein, c'est vraiment le mot. Je l'ai vu dépérir de semaine en semaine. Et pour en venir donc à ce jeune homme dont la maman a appelé hier, je ne sais pas ce qu'il compte faire avec sa compagne, mais je pense qu'il ne pourra pas continuer avec elle. Parce que quand on est face à ce problème, je crois qu'on a le devoir de se protéger. Oui, j'entends votre témoignage, Jean-Pierre. En même temps, voilà, il s'agit d'un couple tout jeune et bon, il y a des degrés, des niveaux dans la dépression et peut-être que cette jeune fille aura un traitement adéquat ou un travail sur elle-même qui lui permettra d'avancer. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que votre femme comme ça s'est mise tout d'un coup à décompenser et à partir dans l'alcoolisme et dans la dépression ? Il y a eu un événement qui a précipité, il y a une histoire de vie. Mais en fait, si vous voulez, dans sa jeunesse, bon, elle a eu une jeunesse extrêmement difficile avec ses parents. Elle avait fait de nombreuses fugues et elle avait eu des problèmes d'alcool aussi. Mais ça, c'était passé. Moi, quand je l'ai connue, ces problèmes d'alcool étaient, a priori, bien résolus.
Et pour elle, si vous voulez, c'était vraiment c'était un bonheur de pouvoir se marier, d'avoir des enfants, mener ouais. une vie normale, hein, on va dire. Et moi, mon travail m'avait appelé à l'époque à partir fréquemment en déplacement. Donc, elle se retrouvait seule souvent la semaine avec les enfants. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est remise à boire. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle avait pris comme prétexte. Mais bon, c'est tout à fait possible. Hein, oui, mais... elle s'est sentie seule, un peu abandonnée. Oui, elle s'est sentie seule avec les enfants. Et donc, elle s'est remise à boire. Et il y a eu un événement déclencheur en mars 2001. Oui. Où, bon, elle avait bu un petit peu, c'était un dimanche, elle avait bu un petit peu, mais bon, sans plus. Et le soir, elle a fait une crise de folie, une crise de démence. Ça m'a donné l'impression, si vous voulez, que son cerveau avait explosé d'un seul coup. Oui, ça devait être très, très paniquant pour vous, hein, j'imagine. Oui, c'était très, très paniquant. J'avais mon fils aîné qui avait 13 ans à l'époque. Ah oui. Qui a très très bien réagi. Moi, j'ai réussi à maîtriser ma femme difficilement, et lui a appelé les secours, les pompiers. Il a vraiment très très bien réagi pour un enfant de 13 ans. Oui, il a compris la situation. Et bien malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai vu dépérir de mois en mois, d'année en année. Les dernières nouvelles que j'ai eues d'elle remontent à 2010. Oui, donc il y a 4 ans déjà. Et elle était vraiment dans un état absolument épouvantable. Tentative de suicide sur tentative de suicide. Oui, c'est très triste. Hein. Voilà, c'est vraiment des situations extrêmement délicates, surtout qu'on est... vraiment pas préparé à ce genre de choses. C'est pour le simple dilemme, c'est très très dur d'accompagner quelqu'un. On se demande qu'est-ce qu'on doit faire, qu'on aurait dû faire aussi, toutes ces questions. Oui, effectivement, et même je n'ai pas trouvé d'appui autour de moi, auprès des amis, auprès de la famille, mais j'en veux à personne, parce que finalement tout le monde était comme moi, tout le monde était démuni. On était très démuni. Complètement démuni. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que les gens qui auraient vraisemblablement pu lui venir en aide, comme les services sociaux par exemple, ne se sont pas occupés d'elle. Ils lui ont fait croire que de divorcer, ce serait pour elle la meilleure solution. Ils lui ont fait croire que... Et vous regrettez ça, l'histoire du divorce? Vous auriez aimé continuer à vous occuper d'elle de loin, mais être présent? Du coup, le divorce, vous ne le vivez pas très bien ou... Non, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est elle qui avait demandé le divorce. Oui. Mais elle a demandé le divorce alors qu'elle était en hôpital psychiatrique. Donc moi, j'ai toujours pensé qu'elle n'était pas véritablement à l'origine de cette démarche. Peut-être que quelqu'un l'a poussée, je ne sais pas. Et elle a voulu divorcer, mais bon, son avocat a présenté un dossier de divorce qui était vide, qui ne tenait absolument pas la route. Elle a perdu le divorce. C'est un divorce qui a duré pendant 7 ans, 8 ans même. Oh là là, oui. Et vous, comment vous allez aujourd'hui, Jean-Pierre, qui nous racontait cette histoire ce soir? Écoutez, moi je vais très bien parce que, vous savez, étant donné que mon ex-femme, non seulement elle s'est détruite, mais elle a voulu détruire tout ce qu'il y avait autour d'elle. Elle a voulu me détruire, elle a voulu détruire les enfants également. Moi, j'ai fini... je risque de choquer beaucoup de monde en disant ça. J'avais fini par avoir j'ai eu pour elle autant de haine que j'ai pu avoir d'amour. Oui, vous savez, c'est les deux pendant d'une même pièce. Hein. Ouais. La haine à l'amour, c'est lié. J'ai fini par la haïr de vouloir se détruire et surtout d'avoir voulu détruire toute sa famille, son entourage. Oui. Et pour moi, cette demande en divorce, pour moi, ça a été une,
une sorte de libération. Oui, de délivrance pour vous. De délivrance, oui, tout à fait. Alors, mais c'était un divorce extrêmement conflictuel, je ne peux pas rentrer dans les détails, parce qu'on y passerait la nuit. Oui, il y en a d'autres Mais si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais fait... parce qu'elle n'était pas capable, psychologiquement, n'était pas capable de suivre son affaire de divorce. Bien sûr. Alors que moi, je la suivais très très bien. Et j'avais fait une demande conventionnelle en divorce, c'est-à-dire que je devenais, moi, le demandeur du divorce. Ah oui, ça s'est inversé, du coup. Voilà, ça s'est inversé. Et pour vous, ça, finalement, c'était presque réparateur dans votre colère, dans votre haine. Ça a dû vous apaiser, finalement. Ça peut paraître paradoxal, mais je peux le comprendre. Oui, ça m'a... Parce que vous repreniez la main sur une situation qui vous avait échappé, vous voyez. Voilà, absolument. Oui. Parce que finalement, bon, elle avait fait une demande... Avec toute la tristesse qui va avec, et le désespoir, Vous savez, je finissais par ne plus avoir... Autant j'en ai eu beaucoup au début de la tristesse, du désespoir... Oui, mais il n'y avait plus d'empathie à la fin, mais je pense. Mais il n'y avait plus d'empathie. Oui, il y avait sauf qui peut la vie, quoi. Il faut que je me protège. En fait, c'était ça. Et mon objectif, ça a été de divorcer le plus rapidement possible, mais pas à n'importe quelle condition non plus. Et ça a vraiment été une grande libération pour moi. Oui. Divorce. Oui. J'ai repris une vie normale. Oui. Et vos enfants, ils vont comment? Eh bien, écoutez, pour mes enfants, ça n'a pas été... Les choses ont été très mal, parce que malheureusement, et ça c'est vraiment incroyable, la juge pour enfants, parce que comme le divorce est extrêmement conflictuel, bien sûr il y a une juge pour enfants qui a dû statuer. Et mes enfants ont été placés pendant à peu près un an dans un centre éducatif. Ah zut! Alors, je dirais que ça a plutôt été une bonne chose parce que ça les a écartés un petit peu. Oui, du conflit des parents, d'accord. Du conflit des parents. Oui, je comprends. Alors moi, j'étais pas trop d'accord au départ et puis je me suis aperçu que finalement, c'était quand même une bonne chose. Oui. Bon, ils n'étaient pas trop loin d'où on habitait. Ils étaient dans un centre éducatif en Haute-Savoie. Il y avait une heure de voiture pour aller les chercher. C'était pas... Ça allait... seulement le problème, c'est que c'était un placement provisoire. Et le problème, c'est que c'était alors le 20 juillet 2004. La juge pour enfants a décidé d'accorder la garde des enfants à leur mère. Alors qu'elle était hospitalisée ? Alors elle n'était plus hospitalisée, mais elle n'avait aucun suivi médical. Et à partir, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que il y a eu des faux rapports de fait par les services sociaux de l'Ain, comme quoi mon épouse était tout à fait apte à s'occuper des enfants, ce qui était complètement faux, puisqu'elle continuait à boire et elle n'avait pas de suivi médical. Et ça m'a profondément marqué, puisque le 20 juillet 2004, j'ai fait une tentative de suicide suite à cette décision. Je suis resté une semaine dans le coma. Oh là, oui, donc et j'aime bien. J'étais à l'hôpital de Belley, dans l'Ain. Oui. J'étais en service des urgences. Et je suis ressorti au bout d'un mois donc de l'hôpital. Et ma thérapie, ce qui m'a vraiment permis de m'en sortir, ma thérapie, c'est que je l'ai faite moi-même. Vous-même. Je l'ai faite moi-même. Oui, c'est-à-dire que mon objectif, c'était de revoir mes enfants, de reprendre mon travail, de revoir les copains, les amis, les collègues. Oui. Et c'est voilà, ça a été ma thérapie. Et je peux dire que depuis ce passage qui a failli me coûter la vie, je vais très très bien. Oui, on entend. Et vous n'êtes pas du tout fait aider, justement, en parlant avec quelqu'un non, qui jamais. Les recueille. Jamais. Jamais. Non, jamais. J'ai,
J'ai pas voulu parce que j'avais pris un en grippe. En grippe, si je comprends. Toute la psychiatrie. Oui, je comprends. Oui, quelque chose. Et j'ai préféré essayer de m'en sortir moi-même. À la force du poignet. Parce que j'ai beaucoup de caractère et j'ai pu m'en sortir moi-même. Ça n'aurait peut-être pas marché pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aujourd'hui, Jean-Pierre, est-ce que vous diriez que la haine, le ressentiment, la rancœur, tout ça s'est apaisé chez vous ? Vous avez pu pardonner ? Oui. Non, c'est pas du pardon, c'est de l'indifférence. Ah ? J'ai une totale indifférence pour. Vous savez ce que dit Jung, hein, quel est le contraire de l'amour ? C'est pas la haine, c'est l'indifférence. Ouais. Mais indifférence, bon, ça me questionne, vous voyez, parce que je pense qu'on peut pas être indifférent quand on a vécu tout ça. Alors voilà, il reste peut-être encore quelques étapes, mais on est toujours en chemin et j'entends que vous l'êtes en tout cas. En tout cas, merci Jean-Pierre de nous avoir confié votre tranche de vie ce soir, hein, votre histoire. Oui, c'est une tranche de vie malheureuse. Oui, je vous remercie. Mais ce que j'espère, c'est mais vous l'avez dit avec beaucoup de douceur. Oui, oui. Oui, ce que j'espère, c'est que pour le fils de cette dame qui a appelé hier, le fils de Dominique, surtout qu'il soit prudent. Vous vouliez le mettre en garde. Prudent, parce que je crois qu'il faut aussi qu'il pense à lui. Il faut qu'il se protège. On a le devoir de se protéger aussi. De prendre soin de ce qu'on est capable de vivre, effectivement, et de ne pas s'embarquer dans quelque chose qu'on aurait du mal après coup, quoi. Donc, effectivement, vous faites appel à la conscience et vous avez raison. En tout cas, je vous remercie, Jean-Pierre, de votre appel ce soir. C'est moi qui vous remercie. Ça m'a fait très plaisir de vous parler. Oui, moi aussi. J'espère que votre émission durera encore très longtemps. Mais on le souhaite, longue vie à la Libre Antenne. Ouais, merci à vous, Jean-Pierre. Bonne nuit. Merci, au revoir. Bon courage. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 39-21, 34 centimes la minute. Save me, Irma. La Libre Antenne, c'est 6 jours sur 7, du dimanche au vendredi, de 23h à 1h, sur Europe 1. Bonsoir François. Oui, bonsoir Sophie, merci de prendre mon appel. Bienvenue. Voilà, je vais essayer de planter le décor pour que mon propos soit clair par la suite. Oui. J'ai 55 ans, il y a 7 ans, j'ai fait un infarctus, triple pontage, etc. Et au bout de 5 mois d'hospitalisation, de rééducation, ma femme, avec qui j'étais marié depuis 26 ans, m'a annoncé qu'elle demandait le divorce. Et elle a appuyé... Un peu dur le réveil. Oui, le réveil un peu dur, d'autant plus qu'elle m'a assommé complètement en me disant que je ne la faisais plus rêver et que c'était la raison pour laquelle elle souhaitait qu'on se sépare. Après un double pontage, oui. Ne plus faire rêver, effectivement. D'accord. Sans commentaire. Voilà. Bon. Du fait de son histoire que je connais, mais je ne vais pas tout dérouler, j'ai un peu compris ce qu'elle voulait dire. Ouais. Ça n'a pas été moins douloureux pour autant. Ouais. Et puis c'était, ça tombait à un moment où moi je me disais que je commençais à faire des projets ouais. de ce qu'on allait pouvoir faire parce que nos enfants commençaient à être plus grands, oui. Le plus âgé des deux s'en allait. Bref. Mais il restait encore la plus jeune des deux, ma fille, qui était encore avec nous, qui fait encore ses études. Mmh. Et donc, pour sortir de cette histoire la tête haute, j'ai fait en sorte qu'on divorce à l'amiable et j'ai tout laissé à ma femme et à ma fille, l'appartement, enfin bon, bref, peu importe. Et j'ai pris un peu de distance, c'est-à-dire que moi j'étais un peu... j'étais pas bien du tout malgré tout, même si je l'ai laissé apparaître. J'ai décidé de prendre un peu de distance, donc je suis allé vivre à une cinquantaine de kilomètres de là. Petit à petit, vous êtes partie seule. Oui, ouais, c'est courageux. Ma fille est restée avec sa mère. Ouais.
bon, je continue à avoir mes enfants. Avec mon ex-femme, on a des relations cordiales. Il n'y a pas de... Oui, c'est apaisé. Oui, c'est apaisé. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de rancœur de mon côté. Bon, voilà, j'ai accepté sa décision, même si je l'ai trouvée très abrupte et effectivement... Vous n'y attendiez pas du tout, François ? Ah, pas du tout. Ah, oui. Très honnêtement, elle aurait demandé un divorce une quinzaine d'années auparavant où j'avais eu une petite aventure extra-conjugale. Oui, le coup de canif dans le contrat. Oui. Voilà, j'aurais tout à fait compris. 15 ans après, je pensais que ça s'était complètement oublié. Je pense que ça ne l'était pas totalement. Et que, bon, il y a eu aussi cette histoire de problèmes de santé qui fait que, voilà, j'étais, après ce problème-là, j'étais plus celui que j'étais avant. C'est vrai que ça m'a quand même un peu diminué. Oui, mais bon, est-ce que c'est... Vous pensez que c'est lié? Elle se sentait plus dans l'histoire, tout simplement, non? Oui, vraisemblablement. Oui. Ça a été sa façon de me dire les choses. Bon, voilà. Oui, dans la façon, c'est un peu abrupt pour vous. Voilà. Bon, toujours est-il que, voilà, je me suis retrouvé à vivre pendant 2 ans à la campagne, dans une petite maison, oubliée sur moi-même. Mmh. C'est vrai que petit à petit, j'ai aussi les liens avec mes anciens amis se sont distendus. Oui. D'abord parce que ils étaient tous dans l'environnement proche du lieu où on habitait auparavant. Donc ils restaient très proches de mon ex-femme. Oui. La voyait régulièrement. C'est souvent le cas. Mmh. Voilà, bon, j'ai continué à les voir un petit peu, mais je me retrouvais alors en porte-à-faux un peu. Je me trouvais seul dans des soirées où habituellement on était tous en couple. J'étais le seul à être tout seul. Ils m'invitaient une fois sur deux parce qu'ils invitaient une fois ma femme, mon ex-femme, une fois moi. Enfin, bon, ouais, ils géraient comme ils pouvaient. Voilà, des situations pas très bonnes. Ouais. Ce qui fait que je me suis à un moment donné retrouvé seul et comme j'avais besoin de d'avoir une vie sociale, ou en tout cas peut-être de retrouver une compagne ou quelqu'un avec qui vivre quelque chose, je me suis mis à surfer sur Internet où j'ai rencontré une femme qui a 7 ans de moins que moi. Mmh. On a correspondu pendant un peu plus de 2 mois sur Internet pour apprendre un peu à se connaître. On s'est rendu compte qu'on partageait pas mal de points communs, pas mal de centres d'intérêt en commun. Bon, on a décidé de se rencontrer et puis voilà, il y avait quelque chose qui s'est mis en place. Mais pour autant, on a continué à vivre chacun chez nous. Ouais. Et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'on a commencé à mieux se connaître, bon, je me suis rendu compte que c'était une femme qui avait un passé très douloureux. Elle a vécu pendant 10 ans avec son mari, puisqu'elle était mariée qu'une fois. Ouais. Au bout de 5 ans, ils ont eu un enfant. Et là, son mari, quand elle a accouché, lui a dit « Écoute, j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie et je te quitte, je te demande le divorce. » Donc ensuite, elle a été pendant 15 ans seule avec son fils. Qu'elle a élevé seule. Qu'elle a élevé toute seule. Mmh. Elle a eu une autre expérience avec un homme qui avait lui-même 2 enfants, qui était divorcé aussi, qui est venu vivre chez elle pendant 3 ans. Et puis un jour, alors que ses 2 enfants étaient partis en vacances chez leur mère, quand elle est rentrée du travail, il était parti, ses affaires n'étaient plus là, il n'avait même pas laissé un mot d'explication. C'est violent. Voilà. Donc en fait, elle suit une thérapie depuis 10 ans suite à son premier divorce, et qu'elle a sans doute renforcé suite au départ de son deuxième compagnon, pour lequel elle n'a toujours pas d'explication. Parce qu'il n'y a pas eu de mot sur cette rupture. Il n'a plus jamais donné signe de vie. Non, plus rien. Mon Dieu. Ouais. Donc elle s'est fait sa vie pendant 15 ans avec ce fils qui est toujours aujourd'hui avec elle, puisqu'il a 15 ans aujourd'hui, qui est sa... Je dirais quelque part, c'est sa seule joie de vivre. Voilà, elle en est folle. Oui, comme on avait Anne tout à l'heure. Absolument. C'est la prunelle de ses yeux. C'est toujours le danger de tout... de tout projeter en plus sur un fils, alors, oui. Voilà. Bon. Je suis aperçu que parallèlement, elle avait une histoire difficile avec ses parents. Ouais. Je ne rentrerai pas dans le détail. Et du coup, si vous voulez, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Elle m'a posé à un moment donné, il y a quelques mois, la question de savoir si j'envisageais pas qu'on puisse vivre ensemble. Et j'ai été obligé de lui dire que pour l'instant, je ne le sentais pas. Ouais, parce qu'en fait, dans cette relation, bon, compte tenu des difficultés qu'elle avait rencontrées,
je m'étais un peu, peut-être naïvement, dit que, voilà, à partir du moment où j'étais là, si vraiment elle avait des sentiments, elle retrouvait une certaine joie de vivre, elle pourrait se mettre à refaire des projets d'avenir, autre que simplement d'élever son fils. Hein, peut-être oui, qu'elle retrouve une stabilité, un apaisement. Une stabilité, oui. Un apaisement, etc. Voilà. Et c'est pas ce que vous ressentez? Pas du tout. Ah, c'est-à-dire que ouais. Vous avez le sentiment que dans la relation que vous vivez depuis 2 ans, elle ne reprend pas une énergie à elle. Enfin, non, du tout. Ouais. Le cours du de tout, sa propre histoire. Voire même au contraire. Quoi. Parce que, si vous voulez, petit à petit, au fil du temps, elle rajoute des couches. Quoi. Elle me parle sans arrêt de son mari, des conditions de son divorce, des difficultés qu'elle a rencontrées, elle a pas... des problèmes que ça a généré, du départ de son deuxième compagnon, qu'il y en a un, des problèmes avec sa mère, de sa relation avec son père. Oui, elle ne tourne pas les pages. Quoi. Elle reste... tourne pas les pages. Maintenant, elle connaît, depuis quelques mois, elle me dit « Oui, alors je n'avais pas osé te le dire parce que je ne voulais pas t'inquiéter, mais je suis malade. » Effectivement, de plus en plus, elle me parle de maladie un peu sans arrêt. Mais on dirait qu'elle se fait tout pour vous décourager. Voilà, oui, tout à fait. Hein, et ça me fait penser, vous savez, au fameux syndrome d'abandon. C'est-à-dire, c'est quitter avant d'être quitté, mais elle vous pousse justement à la quitter. Mmh. Elle fait tout pour. Elle met tout en œuvre pour rejouer un scénario où elle a été maintes fois quittée, abandonnée, voilà, maintenant malade. Aller jusque-là, parce que moi, j'étais pas allé jusque-là. Quoi. Je m'étais dit, bon, elle se protège, elle ne veut pas revivre ça. Donc, voilà. Alors, elle vous décourage, hein, plutôt. Elle. Hein bah, là, c'est ce qui est en train de se passer. Bah, oui. Et le problème, c'est que moi, de mon côté. Et puis, elle vous enferme en même temps, vous voyez, dans son histoire. Voilà. C'est-à-dire que, non contente de vous décourager, elle se rend pas compte que elle vous accapare dans son histoire qui n'est pas la vôtre. Alors, c'est toujours la difficulté, évidemment, dans les âges que vous avez, où il y a eu des histoires précédentes, quelquefois longues. Il y a toujours la tentation d'embarquer avec soi l'histoire précédente, et puis, vous savez, de faire des poupées russes. Mais c'est pas une très bonne idée. Non seulement c'est pas une très bonne idée, mais ça encombre, et qu'il y a un travail à faire pour, effectivement, réécrire un nouveau chapitre. Pas, on dit refaire sa vie, on ne la refait pas, mais on écrit un nouveau chapitre. Mais c'est ça, c'est autre chose. Alors moi, j'en suis là aujourd'hui avec une nouvelle problématique, c'est que je me dis, bon, tu as peut-être été quand même très prétentieux en pensant qu'il suffit d'hectares pour que ça aille mieux pour elle. Non, c'est joli, c'est très masculin. Non. Au contraire, en plus, c'est d'autant plus intéressant dans votre histoire que vous sortiez d'un épisode douloureux de la maladie et que tout d'un coup, vous alliez pouvoir apporter à cette femme ce que votre ex-femme vous avait reproché de ne pas pouvoir lui donner dans votre fragilité. Donc c'était important pour vous ce qui se jouait. Ouais, tout à fait. Et là aujourd'hui, je me dis, bon, je lui ai dit d'ailleurs, mais je pense qu'elle ne l'a pas intégré, ou en tout cas, elle ne veut pas me l'avouer. Je ne me sens pas chez moi quand je vais chez elle. Je suis chez eux, c'est-à-dire chez elle et son fils. Ah, c'est-à-dire concrètement, il n'y a pas une petite place pour vous, il y a pas, vous ne laissez pas une chemise ou... Son fils a une chambre, mais dans sa chambre, il n'y a que son lit. Il a un bureau, mais il ne va pas y travailler. Il s'est accaparé le petit salon. Les parties communes, quoi. Voilà. D'accord, donc il vit au centre de vous. Voilà. Oui. Le canapé, c'est pour lui parce que... il regarde la télé, quoi. Il joue à tes jeux à la console sur la télé. Et quand je dis, là maintenant, il y a telle émission ce soir, j'aurais bien aimé la voir. Oui. Elle ne me dit pas non. Elle dit, je vais voir si Yuen n'avait pas prévu de jouer avec ses copains. Elle ne vous fait pas de place. Elle ne vous fait pas de place. Voilà. Déjà, l'appartement est petit, donc on se marche un peu dessus. Et moi, j'étais plutôt habituée à faire des espaces. Vous lui en avez parlé, ça, François? Oui, je lui ai dit, mais... elle me dit, alors, parce que moi, ce que je lui ai dit, écoute, je comprends que, mais est-ce que... je comprends que tu aies passé 15 ans de ta vie dans cet appartement avec ton fils, que ça soit votre espace, et que ça soit compliqué pour vous de voilà. Donc je lui ai proposé de prendre un appartement ensemble, mais un autre appartement. Un peu plus grand, avec un peu plus grand, peut-être une pièce de plus pour que chacun puisse avoir un espace qu'on ait. Bon. Et elle ne veut pas. Elle ne veut pas en prétextant que si moi aussi je m'en vais. Aujourd'hui, elle a un appartement qui, effectivement, est pas mal placé dans Paris, où elle ne paye pas très cher. Ouais, elle a peur. Si tu t'en vas, je n'ai plus rien. J'ai tout perdu.
Donc, bon, ce que j'entends aussi, hein, mais du coup, moi, voilà, je ne retrouve pas mon compte dans cette histoire. Mmh. Et je me dis, et aujourd'hui, je suis rendu au stade où je me dis que si la situation dure comme ça, ce n'est pas très sain, ni pour moi, ni pour elle, parce que ça finira par un clash. Ouais. Et que je ne sais pas comment mettre fin à la relation de toute façon si je devais le faire aujourd'hui en me disant tu vas la briser définitivement parce que une troisième fois ça sera peut-être trop quoi. Donc je suis un peu coincé et je suis très très mal à l'aise. Vous sentez plus amoureux François? Plus vraiment? Très honnêtement non. Ouais, très honnêtement non. Parce qu'il y a trop de choses qui s'accumulent là et qui... Vous voyez par exemple bon, je l'ai emmené en vacances. Alors elle développe tout un tas de phobies de la voiture, elle avait peur du voyage, après sur place elle avait peur de faire des visites, après elle avait peur du voyage du retour, et finalement elle a passé son temps à prendre des tas de photos, et c'est une fois qu'on a été revenu de vacances, en regardant les photos, qu'elle m'a dit c'était vachement bien, mais pendant toutes les vacances elle n'en a pas profité du tout. Elle s'empêche de vivre, elle a du mal à se lâcher quoi. Ouais. Et bon voilà, enfin c'est tout un tas de choses. Oui, c'est tout un tas de choses. C'est très... Qui est compliqué pour vous. Ouais. Je pense que en même temps, vous lui devez, enfin peut-être par étapes et progressivement, des petits signaux et de vous assurer. Voyez, vous pouvez rester en amitié, rester proche. Peut-être qu'il y a un mi-chemin. Comme elle a toujours subi des ruptures excessivement violentes, sans mots, ça va surtout être dans la forme que ça va se jouer. Parce que peut-être d'ailleurs que la forme que prendrait ou que prendra la rupture peut l'amener à elle passer une autre étape, c'est-à-dire comprendre qu'il y a autre chose qui se joue. Mais là, il y a beaucoup de dialogue à avoir avec elle, de paroles. Pas du tout de reproches ou de l'enfermer, ou pas du tout ou non plus ce que vous me dites sur la stigmatiser dans ses comportements. Après tout, c'est sa liberté, c'est à elle. Mais plutôt de parler de vous, de ce que vous ressentez, de ce qui vous pose problème, que vous avez du mal à vous projeter maintenant dans l'histoire du couple, dans cet avenir de couple, mais qu'elle peut compter sur vous, que vous êtes là en ami. Je ne sais pas si vous le sentez, ce que je suis en train de vous dire. Oui, je le sens bien. Le problème, c'est que j'ai essayé très doucement une première fois et ça s'est transformé en psychodrame. Quoi. C'est-à-dire elle a fondu en larmes, elle s'est évanouie, enfin c'est... Vous êtes un peu pris dans son scénario. D'un côté, ça m'a énervé parce que j'ai eu le sentiment qu'elle me l'a... vous voyez, moi, je ne suis pas suffisamment spécialiste pour mesurer jusqu'où ses réactions sont vraies et jusqu'où elle surjoue certaines situations, je ne sais pas. Oui, elle ne cherche pas à surjouer, mais néanmoins, il se trouve que toute son histoire et tout ce que vous me racontez fait que ça cadre bien dans un scénario qui l'a fait vite aller vers un psychodrame puisque elle rejoue éternellement cette même histoire. Donc vous faites partie de sa filmographie, de sa scénographie. C'est une pièce de théâtre qu'elle connaît bien et dans laquelle aujourd'hui c'est vous qui tenez le rôle principal. Donc vous êtes là-dedans. Donc dès que vous allez vouloir faire un pas vers quelque chose, elle risque de vous ramener là où elle vous voit. Des histoires de projection. Donc il y a quelque chose à traiter au niveau de la relation, pas de vous. Donc attention à ne jamais prendre les choses avec elle de façon très personnelle pour vous, parce que sinon vous êtes pris, vous êtes éprôné dans son système, et de reposer très calmement les faits comme ils sont, et que petit à petit elle soit amenée à comprendre que c'est pas d'elle dont il s'agit, c'est pas de vous dont il s'agit, c'est qu'est-ce qui se passe entre vous deux. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça me parle. C'est pas évident, hein. J'entends bien. Hein. Là, il y a un auditeur qui dit créer une relation sur la base de la souffrance ne mène nulle part. Alors, il dit on ne cherche pas un partenaire comme si on achetait une voiture, mais vous n'êtes pas là-dedans, manifestement. Ça, ce n'est pas le sujet. Mais c'est vrai que, et j'entends, je trouve très délicat votre souci de faire attention à elle, parce qu'effectivement, elle est très fragile et que votre posture aujourd'hui. Je suis plus dans un sentiment amoureux qui a existé à un moment donné, même si ça a
pas duré très très longtemps, parce que assez vite, quand la relation a commencé à s'installer, assez vite, elle a dévoilé un certain nombre de choses dont on n'avait pas eu l'occasion de parler avant. Mais je l'aime beaucoup, quoi. Voilà. Oui, oui, ça s'entend. Quand vous parliez de rester amis, ça ne me dérangerait pas du tout. Au contraire, je serais ravi de la conserver. Et je pense que vous pourriez lui faire du bien. Parce que vous pensez qu'elle, elle risque d'être violente avec vous ? Violente. Non, mais d'être dans le drame. Bon, je crois, mais oui, voilà, d'être un peu dans le drame. Et bon, moi, je suis un peu étonné qu'après 10 ans de thérapie, enfin, thérapie ou de, je sais pas si c'est une thérapie de réclamation, j'ai le sentiment qu'elle a quand même pas beaucoup évolué, quoi. Elle n'a pas avancé. Elle n'a pas pris de recul sur. Ouais, alors vous savez, la thérapie, c'est autant et sinon plus le patient que le thérapeute. C'est-à-dire, c'est le travail. On parle de travail, c'est comment. Et si elle a pas envie de quitter quelque chose parce qu'elle tient mordicus à sa vision, vous voyez, de son histoire et la façon dont elle se la raconte, ben là, il n'y a pas grand chose à faire et il faut vraiment décider de dire ok, je change mes lunettes, je vais chez l'ophtalmo, l'opticien, et puis je change de correction, quoi. Et j'essaye de regarder mon histoire autrement, surtout que vous étiez sur sa route pour lui permettre de regarder l'histoire autrement. Et vous l'êtes toujours d'ailleurs, parce que si vous arrivez petit à petit à lui faire comprendre que ok, vous n'arrivez plus à vos prochaines histoires de couple, mais vous pouvez rester symbolique, enfin plus que symboliquement, amicalement à ses côtés pour être là. Là, vous lui donnez une possibilité d'élaborer quelque chose de très nouveau pour elle dans son scénario. Mais dites-lui peut-être même franchement ce qu'on se dit là, c'est-à-dire que vous avez le sentiment, après tout ça vous appartient, de dire moi j'ai l'impression que tu répètes et que tu fais tout pour me décourager et que on se quitte violemment. Tu cherches la violence dans la rupture et moi je cherche une rupture ou une fin plus apaisée et plus en respect de ce qu'on a vécu et de ce qu'on a partagé. D'ailleurs, ce qu'il m'avait fait, je suis assez d'accord avec vous, parce que ça me rappelle un sentiment que j'ai eu à un moment donné, où elle m'a dit, parce qu'elle avait pris du poids suite à ses problèmes, et sa psy lui avait dit, en fait, vous avez grossi pour vous protéger des hommes, pour que les hommes ne vous soyez plus attrayante pour les hommes. Du coup, bon, mais en fait, comme on s'est connu par Internet, ça n'a pas fonctionné. Et encore que son problème de poids ne m'aurait pas gêné si je l'avais que dit autrement. Mais et d'ailleurs, j'avais réussi à la faire sourire sur cette question en lui disant bah, tu vois, ça ne servait à rien de prendre du poids puisque sur Internet, ne te voyant pas, c'est pas ça qui. C'était pas ça qui était important dans notre relation. Donc, voilà. Donc c'est assez beau. Enfin, on vous sent très respectueux d'elle. Non, je pense que vous êtes dans le bon axe, votre souci est très juste, et essayez d'avancer et de lui renvoyer très doucement ce qu'on vient de se dire, en essayant de la déjouer un peu, surtout ne pas rentrer dans son jeu à elle, ou dans le rôle qu'elle veut vous faire jouer, et dont vous avez totalement conscience là. Ouais. Bonne chance à vous, François. Merci de nous avoir appelés. Bonne nuit à vous. Bonne nuit, au revoir. 39-21, 34 centimes la minute. Oui, d'ailleurs, François, il y a Inès qui vient d'envoyer un message là au moment où on se quittait et qui dit même si elle joue, c'est vrai, offrez-lui votre amitié, hein, c'est ce qu'on est en train d'échanger ensemble. Ça sera peut-être thérapeutique justement, et pour vous aussi, ce sera bon. Effectivement, merci Inès. Zora, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bonsoir, bonsoir Zora. Et merci de m'accueillir. Mais bienvenue. Merci beaucoup. Mais écoutez, moi, je vis une relation ou une rupture très, très difficile. Oui. Et je n'arrive pas à m'en sortir. Et je vais quelque part dire que je me sens pas tout à fait dans la peau de la dame là que vous venez d'en parler. Je m'accroche à mon amour qui se sauve. Et puis voilà. Donc, je vis très, très, très mal en ce moment. Donc voilà, j'ai vécu très 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 longtemps toute seule. J'ai élevé mes enfants, mais pendant des années et des années, et
Puis, il n'y a pas très très longtemps, en 2004, j'ai rencontré un jeune homme dans ma fac où je travaillais. Ouais. On a mis une année, je ne voulais pas de lui. Étant donné qu'il était plus jeune que moi. Plus jeune, oui. Je l'ai repoussé. Et puis en fait, en 2005, j'ai fini par craquer. Et puis maman était malade et tout. Et j'avais cette épaule-là qui était là, ouais. Et j'ai craqué. Et donc l'histoire dure 8 ans, c'est ça? De 2005 jusqu'à l'année dernière, jusqu'en septembre 2013. Et vous vivez ensemble, Laura? On vivait plus ou moins ensemble, ouais, pas totalement. Vos enfants étaient partis? Oui. Mmh. Puis bon, je l'avais quand même, je ne lui avais rien caché de ma vie, je l'avais averti en lui disant, écoute, je suis beaucoup plus âgée que toi, regarde la situation, moi je ne désire pas avoir d'enfant, ma situation est telle que bon, non, il n'y a aucun souci, ma tu es la femme de ma vie, et puis du blabla, il m'en a donné autant que j'en voulais, est-ce que... Au fond, c'est ce que j'attendais parce que j'ai vécu un... Oui, c'était réparateur pour vous. C'était bon. Très bon. Excellent. Ouais. Mais c'était peut-être pas du blabla, vous savez, Zora, enfin, quand il l'a dit. Parce que là, si je comprends, c'est que depuis un an, la relation s'est tendue, elle a évolué, c'est ça? Tout à fait. Oui. C'est que j'ai décidé de blaguer parce que bon, moi, j'étais trop bien. J'avais un divorce qui était très douloureux, mais que j'étais très heureuse d'être libérée. Je me suis dit ouf, mon Dieu, je suis libre, je suis une femme libre. Et puis j'ai fait ce qu'il fallait pour que mes enfants s'en sortent. Je ne voulais pas d'homme dans ma vie. Je ne voulais pas d'autres enfants que les miens. Et quand j'ai rencontré ce jeune homme, bon, moi, je lui ai expliqué en long et en large, d'autant plus qu'il savait où je travaillais. Et non, bon, moi, donc on s'est mis ensemble le plus ou moins. Et puis là, depuis 2013, ça a tourné au vinaigre. Il m'appelait pour aller le retrouver, mais mon fils était tombé malade, a fait une dépression, il était au courant, il est venu à mon secours. Et je me suis dit, aussitôt que mon fils ira mieux, j'irai le retrouver, il habite à Toulouse. Et en 2013, c'est trop bien marqué dans ma tête, il a fermé son téléphone pendant pratiquement 20 jours. Où j'ai cru devenir folle, complètement folle. Je ne comprenais pas du tout ce qui nous arrivait parce que ce jeune homme, il m'appelait au moins 30 fois de la journée et on passait la soirée comme avec vous, là, à discuter, s'endormir. Puis il me réveillait et on discutait de tout. Et même s'il était loin, je le sentais tout près de moi. Ouais. Et donc en septembre 2011, je ne comprenais pas, j'ai fait une grosse dépression et donc il est venu au mois de janvier. Et au mois de janvier, j'étais tombée très gravement malade, depuis je ne faisais plus rien. Je lui ai dit, bien sûr, je l'ai accusé, j'ai dit, bon, ben, c'est ta faute tout ce qui m'arrive là. Et lui, tout ce qu'il a trouvé à me dire, me voyant que je faisais 30 kilos, en me disant, tout simplement, moi j'ai flashé sur une autre fille. Moi, j'ai flashé sur une autre fille. Et ce garçon-là, je ne veux pas revenir sur l'aide, mais je l'ai aidé énormément. Mais voilà, vous avez eu une belle histoire avec lui pendant 8 ans. Comme vous dites, il est beaucoup plus jeune que vous. Et j'imagine que même en ayant très peur, vous vous doutiez bien peut-être qu'un jour, vos chemins pourraient. C'est de toute façon qu'on est ou pas le même âge. Vous voyez bien dans les histoires qu'on entend dans cette émission et tout ce qu'on observe aujourd'hui, les chemins sont pas toujours tracé côte à côte tout le temps, donc on est toujours là-dedans, dans une relation, dans cette éventualité, et puis elle évolue, elle est jamais la même, d'année en année. Alors par contre, ce que je comprends et ce que j'entends dans ce que vous me racontez ce soir, c'est que vous êtes vraiment trop triste, parce que... Moi, j'ai pas décroché. Vous n'êtes pas... Jusqu'à ce soir, j'ai pas encore décroché. Oui, je comprends. Je n'ai pas décroché. Ouais. J'ai été encore... Encore il n'y a pas longtemps, j'étais très très malade. Ouais. Et je l'ai appelé à mon secours, il a coupé son téléphone. Et il continue à couper son téléphone. Et pourtant, c'est vrai, ce n'est
pas, ce n'est pas, je m'accroche à lui. C'est oui. vrai, je m'accroche oui. à oui. lui. Je n'ai pas envie de perdre. Oui. Je l'aime très fort et je le hais en même temps. Je l'aime. Et je mais oui, en parce que vous l'appelez pour qu'il oui. vienne vous secourir. Parce oui. qu'il a été à un moment donné votre épaule, vous l'avez très bien dit. Mais au lieu juste de vous appuyer puis de devenir un peu plus légère, vous êtes accroché encore pas. Plus. Ouais. Mais, et puis lui, il ne fait pas. Il fait aucun effort pour revenir à mon secours. Et j'ai dit, je comprends. Mais je comprends bien. Mais il n'a pas à faire d'efforts, Zora. Mais je ne sais pas. Moi, je me dis que si c'était mon cas, je ferais un effort pour ne pas le laisser dans le désespoir. Non, pas dans le sauvetage. Pas dans une histoire de couple. Non, il n'a pas à vous sauver, Zora. Il n'est pas là pour ça. Parce que sinon, vous rentrez dans un jeu à deux. De toute façon, qui n'ira jamais quand un couple commence à rentrer en sauveteur, bourreau, victime. On ne s'en sort pas. Non, je m'en sors pas du tout. Mais oui, j'entends, Zora. Et surtout, il m'a donné cette habitude. Bon, même si la journée, tout le monde y va qu'il soit à son travail, le soir, il m'a donné cette habitude. On pouvait m'avoir dit que rien. Oui, Zora. Là, je me retrouve. Vous avez perdu plus qu'un compagnon, un ami, un doudou, quelqu'un qui vous tenait chaud. Ouais. Oui, et puis il sait que je ne suis pas quand même, je ne suis pas la nana. Aller chercher un mec quelconque. Je veux dire, dans mon caractère, je suis très, très volcanique, mais je suis très fidèle. Si quand quelque chose ne va pas, je vais envoyer la sauce et je ne vais pas regarder ce qui va arriver en face. Zora, il a quel âge aujourd'hui, cet homme ? Mon ami, il a 40 ans. Voilà, et vous avez quel âge, Zora ? Moi, j'ai 68. Oui, donc il a 40 ans et tout d'un coup, il croise le chemin d'une jeune femme et il a encore envie, le désir, quelque chose qui renaît en lui. 40 ans, c'est le milieu de la vie. Il est chamboulé, il a sans doute été excessivement heureux avec vous. Il vous aime sûrement encore énormément. Vous voyez, tout ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, Zora, pour vous. C'est simplement que la relation, elle passe à autre chose. D'accord, mais je ne crois pas qu'il n'y ait même pas d'amitié, parce que quand vous appelez quelqu'un au secours, il ne vaut pas la merde. Non, mais il a peur. Zora, mettez-vous à sa place. Lui, ce qu'il a peur, c'est quand on vous entend dans cet état-là, il se dit, si je viens l'aider... Oui, mais alors il se dit, Zora, il se dit, si je viens l'aider, elle va me bouffer, quoi. Elle va me prendre mon énergie, donc je vais pas y arriver. Donc l'amitié, c'est possible, c'est-à-dire qu'il peut vous redonner une main, il peut vous redonner une épaule pour traverser un moment difficile, mais il peut pas être votre alpha et votre oméga comme il l'a été. Donc Zora, il faut vraiment, c'est important. Il y a quelqu'un autour de vous, vous voyez un thérapeute, vous voyez quelqu'un pour vous aider. Mais non, j'ai pris rendez-vous à Cam. Super. Bon, il n'y a rien à faire. Je l'ai S'il y a quelque chose à faire, oui, en ce moment. N'oubliez jamais que quand on traverse des choses difficiles dans la vie, c'est des moments de vie. En ce moment, Zora, c'est difficile. Parce que vous êtes au cœur de votre volcan. Vous me parliez de volcan, vous êtes en plein cœur. Donc c'est dur et douloureux. Zora, je vous assure que les choses vont s'apaiser, que vous allez retrouver un peu plus de calme. J'ai pas l'impression, parce que ça fait une année que ça dure, j'ai même pas l'impression. Mais vous avez pris rendez-vous, vous me dites. Oui, j'ai pris rendez-vous. Super, et ben voilà. Donc vous avez pris rendez-vous avec vous, et j'en suis très heureuse, Zora. Bonne chance à vous et bon courage, et bon rendez-vous avec vous, Zora. Prenez soin de vous. Bonne nuit à tous. Il est 1h. On se retrouve demain et tout de suite le flash François Geffrier. Bonsoir François.